pas régulière. C'est-à-dire qu'on fait une très bonne entame et on ouvre le score logiquement. Après, on se fait manger dans l'impact et en termes de duel. Du coup, ils repassent devant à 3-1. Et un dernier quart d'heure, on met un peu de folie et on vient à 3-2. Mais on se réveille trop tard pour égaliser ou même gagner ce match. Je suis déçu. En face, ça avait une bonne équipe. Beaucoup de duels, beaucoup d'impact. C'est pas leur terrain, mais ils sont bien adaptés. Il y avait un bon élément en face qui nous a mis en difficulté. Voilà, c'est un bon groupe. Collectivement, c'est une bonne équipe. En fait, on a une situation qui est un peu délicate. On est 5e, 6e, mais avec des matchs en avance sur les autres. Donc, il y a trois équipes qui jouent la montée et il y a un groupe en bas qui joue le maintien. Match très très agressif. On avait une équipe en face très impact. C'est juste qu'on avait du mal à poser notre jeu, mais en fin de demi-heure, on a réussi à poser notre jeu et montrer ce qu'on valait, même malgré la défaite. Ouais, c'est moi qui ouvre le score, donc un match compliqué sur une pelouse. Pas simple, avec beaucoup de fourbons, donc compliqué pour poser le jeu. Du coup, on a été obligé de. Enfin, les deux équipes ont été obligées de jouer pas mal en l'air sur des longs ballons, ce qui fait que les duels avaient une place super importante. Et on a perdu. Enfin, les 15 premières minutes, on gagne nos duels, on rentre dedans, on marque, on se procure des occasions. Et après, ils prennent le dessus, notamment dans les duels, de la tête, même à l'épaule. Et ils prennent le dessus jusqu'à les 15 dernières minutes où on se réveille un peu, mais c'était compliqué, donc voilà. Bah, sur ce match, on a mal débuté, c'est-à-dire qu'on se fait surprendre dès le départ, on perd 1-0. Derrière, on a une belle réaction, on arrive à prendre l'avantage, à breaker à 3-1. Mais malgré ça, sur la fin, il y a un petit relâchement qui fait qu'ils reviennent à 3-2. Et jusqu'au bout, on va dire qu'on a eu peur jusqu'au bout. C'est pas normal, on arrive à avoir plus de rigueur pour gagner le match plus tranquillement. Honnêtement, ils étaient dans la réaction, je les ai pas sentis à 500%, c'est-à-dire que quand on était mené, ils ont réagi. Et à 3-1, ce que je craignais est arrivé, c'est-à-dire un relâchement. Du coup, on a beaucoup plus réagi qu'agi aujourd'hui et ça a failli nous jouer des tours. Courageux, ils ont fait un bon début de match, je pense qu'ils avaient de bonnes intentions, ils ont réussi à marquer. Après, derrière, je pense qu'on est quand même supérieur, mais sur un match, c'est la motivation allié pour grand chose, donc pour beaucoup, pardon. Et en termes de courage, ils ont montré beaucoup, beaucoup de qualité. C'était un match en jeu, il faut pas laisser gagner ce genre de match. Une bonne petite passe D. Ben d'avoir, après, voilà, j'ai pris la frappe. Franchement, bien courageux, tout ça. Mais on s'est un peu relâché à la deuxième période. Mais ils ont pas lâché, donc c'est des guerriers. Comment t'as trouvé l'équipe adverse? L'équipe adverse, ils ont fait des mal. Voilà, on a fait une mauvaise entame de match, mais on a su se rattraper après. Abdellah, il a marqué le premier but, le but de l'égalisation. Et après, voilà, on a plus réagi qu'agi, comme le disait l'entraîneur. Donc le principe, c'était de gagner le match et on a eu la victoire.